côté des pratiques d'agroécologie avec Konrad Schreiber, qui est agronome, qui a gagné depuis 30 ans des hectares de sol vivant à coup de formation, de groupes d'agriculteurs montés et de techniques qui évoluent. Donc Konrad, tu travailles pour plusieurs entités, la Vache Heureuse, l'IAD, mais aussi aujourd'hui avec Pour une agriculture du vivant. Je t'invite à rejoindre le c'est petit pupitre. C'est par là que ça se passe. C'est par là que ça se passe. Est-ce que je dis, Konrad, le titre de ton intervention ou... Oui. Sol nu, sol foutu. C'est moi qui lui ai proposé, donc j'insiste, mais... c'est moi qui... Donc il court la France, en long, en large et en travers, il répond à tous les coups de fil, il fait partie de ceux qui cherchent à couvrir, il cherche à couvrir pour un avenir pertinent, performant. Il est là. On t'écoute. Tu as des images ? Il va y avoir quelques images. L'idée, c'était de commencer à prendre conscience qu'on va être dans un sacré, sacré bourbier. Et donc, ce bourbier a commencé. Alors, changement climatique ou pas, on pense qu'il va falloir mettre du carbone dans le sol. On pense que, malgré tout, le petit calcul au coin d'une table, 4 pour 1000, ça sera une très bonne idée qu'on devra amplifier. Et à un moment donné, l'idée, c'est de faire l'état des lieux de ce qui se passe. Alors, les sols nus et les sols foutus, c'est des slogans qu'on est en train de construire avec Alain Canet, avec François, avec toute la bande, informer les jeunes. On a commencé à construire des slogans choc. Par exemple, moi j'en ai une, très simple, les plantes produisent la terre fertile sur laquelle elles prolifèrent. Et c'est la plante qui produit le sol. Donc ça, on est toujours passé un petit peu à côté. Et donc, à un moment donné, voyons ce qui se passe. Donc, on a des alertes. Elles viennent de ce printemps. Et ce printemps, quand je trace une ligne Toulouse-Charleville-Mézières et que je regarde vers l'océan Atlantique et la Manche, j'assiste à une catastrophe écologique généralisée du nord au sud. Alors ça continue jusqu'en Belgique et un petit peu en Hollande. Et la question, que s'est-il passé? Il n'y a pas un seul mot dans la presse professionnelle. Si, j'ai lu récemment quelque chose chez mes parents, parce que je suis né dans les Landes, à Saint-Cric-en-Chalosse, eh bien, dans le journal syndical local Le Sillon, le syndicalisme a dénoncé le non-entretien des rivières comme cause majeure des problèmes d'inondation. Voilà. Et vous êtes éberlués, pas un mot de aucun responsable professionnel qui a des compétences et de l'autorité sur le sujet. Et on voit arriver ça, c'est-à-dire qu'un journaliste de Nord-Éclair, donc c'est dans le nord de la France, c'est la plus belle région agricole de France, la Picardie qui démarre la Grande Plaine du Nord qui va jusqu'en Ukraine, globalement, eh bien, nos économies régionales sont en danger, ce sont les salades qui menacent l'économie régionale. Alors là, on ne parle plus de vaches, hein. On sait bien que les vaches elles sont responsables du changement climatique. Voyez-vous le genre d'ânerie qu'on nous envoie, hein. On est mort de peur. Les vaches, elles sont sur la Terre depuis 20 millions d'années. Elles y sont pour rien, hein. Si un problème, c'est chez moi que ça se trouve, chez les humains. Et donc, que se passe-t-il dans le Nord? Eh bien, il se passe ça. Donc, il y a un amateur qui fait des photos, qui tourne en avion et qui nous a pris des photos aériennes de la Picardie ce printemps. Et là, vous êtes inquiets, mais très, très, très inquiets. Et donc, ça nous a généré ce slogan « Sol nu, sol foutu ». Et c'est aussi simple que ça. Et donc, à un moment donné, la question qui va se poser, c'est celle de la sécurité alimentaire de nos sociétés. Parce que ça, c'est en France. Mais si je vais en Espagne, c'est pareil. Si je vais au Maroc, c'est pareil. Si je vais au Sahel, c'est pareil. Etc. Et donc on commence à s'inquiéter sérieusement de nos capacités à régler un problème de sécurité alimentaire pour la ville. On n'en est pas à parler vegan, pas vegan, machin, etc. Non, urgence absolue. Et donc ce
problème-là, il n'est absolument pas pris à bras le corps par les responsables dont c'est la mission. Et donc, on s'y colle, on commence à proposer tout un tas d'autres choses. Et le problème, c'est, eh bien, c'est ça. On s'était posé des questions. La fertilité, qu'est-ce que c'est? La couleur d'un paysage fertile, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est vert. Et à côté, ben, vous avez le paysage stérile. Ben, c'est un tas de sable. C'est un système où il n'y a plus de végétal. Donc, on commence à se poser des questions. Pas de végétaux. Pas de paysage fertile. Et ces photos-là, on peut les faire, voilà, très loin. On a des histoires. On est issu d'une culture. Cette culture, c'est la terre promise, celle des Hébreux. Les Hébreux, on leur a promis quoi? En allant en Palestine, d'accord, ils découvriraient un pays où coule le lait et le miel. Allez-y aujourd'hui, cherchez le lait, cherchez le miel. En fait, on est en train de transformer ça en désert, très allègrement, et ça vous inquiète, parce que ça arrive chez nous. Voilà, ça, c'est la Gascogne. Donc, on a commencé à trouver ça de plus en plus partout, et on a tellement dégradé nos sols que dans cette situation-là, eh bien, Alain, il le sait parfaitement, la régénération naturelle n'est plus possible. Parce que vous êtes arrivé sur la roche mère. Et donc ça, ce sont les prémices du désert. Donc voilà ce qui va nous arriver. Urgence de réagir. C'est pas bio, c'est pas industriel, c'est pas le Roundup, c'est pas les intrants, non. Il manque le végétal et inévitablement, c'est le voyage vers l'enfer qui a démarré. Et le voyage vers l'enfer, vous le connaissez tous. L'enfer, c'est le feu. N'allez pas plus loin que ça, cherchez pas autre chose. Le feu ravage le monde parce que quand vous dépassez les 40 degrés à l'ombre, eh bien vous avez à peu près 70 degrés ou 80 au soleil, et là les végétaux brûlent tout seuls. Et donc, que se passe-t-il dans ce système-là? Olivier Husson nous en parlera tout à l'heure. Le drame... C'est le soleil sur la terre nue. L'ennemi public numéro un de tout agriculteur, c'est le soleil qui tombe sur une terre nue. Alors on pourra simplifier cette réaction-là, c'est relativement simple. Le soleil est un oxydant puissant, il chauffe la terre jusqu'à 60 degrés. Grâce au fer que contient la terre, eh bien vous allez avoir une réaction qu'on a appelée une réaction de Fenton. Et vous allez oxyder la matière organique et l'humus qui va s'évaporer sous forme de CO2. Plus les sols sont nus, plus vous les dégradez vite. Ennemi juré des sols vivants, de la fertilité et des plantes, c'est le sol nu. Et je ne vois que ça. C'est toujours pas un sujet de fond fondamental pour ma profession agricole. Le soleil doit tomber sur une plante et pas sur le sol. Le sol fertile, il est dans une boîte noire, mis à l'abri de la lumière pour l'éternité par les plantes. Ça s'appelle un arbre, plus une litière, plus des plantes qui poussent à leurs pieds. Et en agriculture, je dois copier ce système-là. Et je n'ai pas le choix. Et donc, le problème du sol nu, c'est qu'il va nous amener, voilà, il va nous faire faire ce voyage vers l'enfer. Inexorablement, vous pourrez faire ce que vous voudrez, jamais vous ne pourrez stocker du carbone, jamais vous ne pourrez récupérer la fertilité des sols, jamais vous ne pourrez récupérer la biologie. On le sait, on a pratiqué tellement d'expériences et de techniques alternatives que aucun type d'agriculture qui fait ça ne pourra récupérer des systèmes environnementaux et la sécurité alimentaire, que je sois bio ou pas. Et c'est un drame colossal. Donc on s'est remis tous autour de la table. Ça s'appelle les programmes agro, par exemple, où on va commencer à travailler sur des choses qui vont supprimer le travail du sol, la mise à nu, l'exportation des pailles. Et on va faire exactement l'inverse,
Quand vous faites ça, vous avez l'équation de la pollution, l'équation de la destruction et la préparation de l'enfer. Et aucune société n'y a réchappé. Le croissant fertile n'est plus fertile. Et toutes les plus belles civilisations du monde sur lesquelles on rêve à l'école, on nous apprend tout un tas de conneries. On nous oublie d'apprendre le principal. Ces gens-là, ils ont coupé les arbres, ils ont mis les sols à nu, ils ont travaillé la terre et ils ont fait le désert. Donc ce ne sont pas des exemples. Donc c'est compliqué. On aimerait que la terre ressemble à ça, qu'elle se couvre de végétaux. D'accord ? Parce que c'est le végétal qui produit la terre fertile sur laquelle il prolifère pour pousser tout seul. Voilà. Et donc ça, on aimerait que ça devienne le standard et le mot d'ordre central et généralisé de l'agriculture. Merci.